On m'a demandé toujours pourquoi nous, les naturopathes, on voit le corps et la personne entière. Je vais vous expliquer dans deux petites phrases. Il y a un déséquilibre de milieu intérieur. Le milieu intérieur d'un individu est constitué par les liquides biologiques. Le sang, la lymphe, le liquide céphalo-rachidien, il représente de notre poids corporel à peu près 70%. Et assure la nutrition de nos cellules en plus de déterminer leur santé. Il permet également l'élimination des toxines cellulaires. Lorsque le milieu intérieur est déséquilibré, c'est le corps tout entier qui est concerné car la cellule ne fonctionne plus normalement. L'organisme va s'affaiblir en essayant de réparer le déséquilibre ou la maladie. Il y a aussi l'accumulation de toxines. L'accumulation de toxines est différente selon le mode de vie de chaque individu. Elle peut être due au stress, à une mauvaise alimentation, à une insuffisance d'activité physique ou à une insomnie. Le corps élimine à travers les émonctoires, comme on dit nous les naturopathes, par les reins, par la peau, par les poumons, par le foie, l'intestin, toutes ces toxines que je veux dire. Lorsque les organes purificateurs rencontrent des difficultés, les toxines ne sont pas éliminées et donc vont se répartir dans tout le corps. Et c'est pour ça que cela aurait des effets nocifs sur le fonctionnement des cellules et entraîne ainsi une maladie. Et bien c'est pour cette raison qu'on doit trouver toujours la racine des problèmes. Parce que la plupart du cas, ça provient des émotions. Les émotions, vous voyez, je vous donne un exemple, quand quelqu'un vous vexe juste avec une seule parole, ça vous rend malade. Vous n'avez pas envie de manger, vous avez des insomnies, vous avez la crainte, et toutes les tasses de choses. Voyez-vous, c'est comme ça qu'on voit la personne qu'on veut écouter, lui donner des conseils. Un corps entier parce que nous on prend la totalité de ces liquides qui sont dans le corps qui se dissipent dans tous les organes. C'est comme ça qu'on travaille nous. Et ben, si vous avez encore des questions, posez-moi, je vais vous répondre à bientôt que dès possible. Merci.